Alors, direction le sud. Rien à voir avec mes niveaux, j'ai juste souvent changé de classe, plus la nourriture qui augmente les points de classe de 5%. La nourriture, je l'ai, mais t'es obligé de gagner des PC pour augmenter tes classes, Florentin, donc ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Mes classes, je les ai changées à chaque fois qu'elles étaient maxées, donc je suis pas en retard du tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre ce que tu dis. Où j'en suis d'ailleurs. Classe. Ouais, celle-ci, quand elle a été masterisée, je suis passé sur celle-ci. Après, quand j'ai eu celle-ci, je suis passé direct dessus. Mais entre-temps, j'étais déjà sur gardien lourd. Donc voilà, c'est tout. Il y a des trucs là-haut, là. Donc comment je monte? Qui allez-vous aider? J'ai déjà dû le faire, ça, parce qu'il n'y avait pas de récompense. Oh, je vais changer sa frappe de sabre. Je vais mettre celle de la classe en question. Il y a une nourriture, la colonie 9, qui augmente les points de classe de 20%, ça devrait t'intéresser. Ah bah là oui, effectivement, maintenant oui. Mais par rapport à mon avancement actuel, c'est pas la raison pour laquelle je suis à la bourre. En fait, il n'y en a pas de raison. Ou alors t'as farmé les petits ennemis à mort, du coup ça te donne pas beaucoup d'XP, mais les PC ça continue de t'en donner. Parce que même si je tape des ennemis, je sais pas, niveau 10, je pense que ça me donne encore entre 3 et 5 PC, un truc comme ça. Il y a un corps à libérer là-bas. Mais je vais faire celui-ci avant. C'est juste que j'ai beaucoup exploré et tué ce qui se passait sous... Ce qui me passait sous le nez. C'est vite monté. Ah bah oui, bah donc voilà. La plaine de Ribi, nous y voici. C'est toi qui change le personnage contrôlable ou c'est imposé? C'est moi. Je peux choisir qui je veux. Et là, je joue ce perso parce que c'est une classe que j'aime beaucoup. C'est très dynamique, en fait. D'ailleurs... J'avais dit que j'allais changer un truc. Ah, mais je l'ai pas encore. En fait, je voudrais lui mettre... la lame de l'infini, mais je sais pas si elle peut l'avoir. Peut-être pas tout de suite. Comment ça se fait qu'elle en a deux comme ça là? Bon, je vais laisser ça. Alors, faut aller encore au sud, mais... Événement de quête, et il y a ça. Ça à récupérer, mais de l'éther j'en ai déjà pas mal. Apparemment ça respawn pas l'éther, hein. C'est unique. J'en ai chopé dans d'autres zones, hors stream d'ailleurs.
si tu peux le mettre à la place de l'art signature. Attends. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé ça. L'art signature, c'est celui-ci. Mais tu vois, je peux pas le mettre là. Il est pas dispo. Ou c'est celui-là? Non. L'exploration me rappelle grave Final Fantasy XV vu que je n'ai pas fait les autres Xenoblade. Bah la différence que t'as pas de monture dans les Xenoblade. Oui, c'est bien ce que je disais, Florentin. En fait, l'âme de l'infini, je suis pas sûr qu'elle pouvait l'avoir. Ce que tu viens de valider. lui, on va pas le saouler, hein. D'ailleurs, je vais pas trop m'approcher. Parce qu'il va m'ouvrir la tête. Il avait l'air tout gentil pourtant. Oui, j'en doute pas. Mais justement, faut les laisser tranquilles, tu vois. Les laisser en paix, pas aller les emmerder. Ceux-là, je vais quand même les taper parce que il y a certains composants qui sont nécessaires justement pour l'affinité des colonies. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu si j'ai pas des trucs à compléter à ce niveau-là. FF15, je l'ai fait en ligne droite sans soluce, j'ai tenté de le refaire avec un guide officiel, j'ai arrêté à la moitié. Oui mais toi Nanatoru, ça sert à rien que tu recommences un truc, puisque déjà t'as pas dû l'aimer. Comme 99% des jeux que tu fais. Tu n'aimes rien et tu as besoin de soins pour ça. あ、思い過ごしであって欲しかったが、戦局がいる。あの兵装、上位ランクの頃にか。ブロボロスを打ち取れ。そうはいくかってんだよ。 Ah, t'as aimé FF15? Putain, c'est fort étonnant. C'est peut-être un des FF qui est le moins aimé. Pour info, moi aussi j'ai bien aimé. Hein. Il y a peut-être un healer en fait. C'est lui là. J'étais pas encore en overdose de JRPG. Je crois que t'es en overdose de jeu tout court en fait. Je n'ai pas trop aimé sauf les invoques. Oh, les invoques Kendova. C'est une merveille. Quand j'ai fait la démo avec Ramu. Oh là là, je suis resté sur le cul. Hein. Ouais, c'est ça, Nanatoru, c'est le Schtroumpf grognon de la communauté. Non, mais on va lui trouver un jeu qui va aimer. Mais avant ça,
Il faut qu'il aille consulter. Il est trop blasé, ce jeune homme. ひねりのない戦術で身体能力を無駄遣い。それから判断力はあるのに諦めが悪い。情報通りでがっかりね。 覚えがあるな。でしょうね。軍務長ニーナの辣腕は有名だもの。滞在人が気安くニーナ様の名を呼ぶな。罪など犯していない。ではそれを立証できて。いや、していないことを証明するのは難しい。でも君が知っていることが全てじゃない。 暗いね。ニーナ様、セナ、行くよ。情報通りじゃなくて悪いな。己、やめなさい。小手調べとしては十分よ。せいぜい悪あがきをすることね。滞在人ウロボロス、 その命もらい受けるわ。必ず。話に聞いた通りのバカ者ですね。おまけに無礼です。そうね。おかげで楽しい宴になりそう。君が知っていることが全てじゃないか。言ってくれるじゃない。 なんとか巻いたみたいだな。ったく、何なんだあいつら。端的に言えば、やり手のコロニーだ。野心的で美しくない戦いをする。なんだよ、美しくない戦いって。効率よく戦闘査定を稼ぐの。それでこの前、ついに白金にランクアップして、他のコロニーにも物資を分けてくれたり、すごいんだよね。物資を？ なんでわざわざ。長い目で見て有利だからだと思う。貸しを作り、友軍という手札を増やせば戦術の幅も広がる。そうして戦績を出せば、さらに物資も獲得できるってことか。厄介すぎだろそれ。ああ、ニーナ自ら宣言していた通り、必ずまた襲ってくるはずだ。反逆者を倒したら査定 いっぱいもらえるから。ぶん殴って黙らすか。バカだろ。相手は白金だぞ。いずれにせよ、コロニーイオータの遊撃部隊は4つの隊で構成されている。警戒しても出くわす可能性の方が高い。対応を決めておくべきだろう。なら戦力では向こうが有利だ。正面からやり合うのは避けよう。ただその遊撃部隊を撃破できれば、
向こうの戦力は落ちるだろうし。こっちが攻める隙も生まれる？ああ。その必要があればだけど。基本的には戦わないようにしようってことだね。その案、賛成。僕も異論はない。つうか、出くわさないことを祈るぜ。知り合いが増えるのはいいことだよね。 Bon alors le personnage était absolument stylé, hein. Je crois qu'on est tous d'accord. Bon, je présume que c'est une quête de classe, non? Ah non, pas encore en tout cas. Une quête de héros, pardon, je voulais dire. Ouais, effectivement, le chapitre 3 est niveau 17. C'est dommage que les chapitres de l'histoire coïncident pas réellement avec les quêtes qu'on croise, quoi. Ça, c'était 22. Enfin, 22, c'est rude, hein. Le boss est 24 et... honnêtement, il tapait fort, hein. Bon, après, s'il le marque, c'est que ça doit être jouable, hein. Ah, j'ai oublié un bonhomme. Donc, je crois qu'on entend quand tu appuies sur A. Ah ouais? Comment ça? Non, c'est quand j'appuie sur sur le stick. Ah mais je vais pas pouvoir le sauver lui. En moins que je peux monter ici. Non. C'est beau. Ouais, c'est ça que t'entends. C'est la carte. Pendant les scènes de dialogue? Ah ouais? Tu devrais pas pourtant. T'es sûr que c'est un bruit du micro, que c'est pas un bruit du jeu? Ah ouais, je peux pas monter ici. J'ai cru que j'allais pouvoir, mais non. Ouais, je pense que c'est un bruit du jeu, Kendoza, parce qu'il me semble que bah, pendant ce dialogue, notamment, j'ai coupé le micro. Souvent, je le coupe pour éviter justement les bruits externes ou quand Taya débarque et qu'elle râle. Bonsoir, Marvel, comment ça va? Je l'avais oublié celui-là. Ah oui, j'avais dit que je regarderais un truc. Les cartes d'encyclopédie. Ah, tiens. Fripopone. Ah ouais, entente plus 200, ça rigole zéro. Colonie 9, chemise de natation. C'est une tenue? Je pense pas. Pas mal. D'accord, c'est ça en fait. Je préfère quand même avoir 400 points de vie supplémentaires. Hein.
Bon, même si on est au-dessus, on va quand même se faire quelques ennemis, parce qu'effectivement, là, les classes, elles vont pas monter. Hein. Je serais pas contre un bon Star Ocean. Bah, y en a bientôt un. Hein. Là, la fin de l'année, elle va être rude. Hein. Même la rentrée, en fait. De la rentrée jusqu'à la fin de l'année, il y a tellement de jeux. Alors, qui est-ce qu'on aide? Point d'entente, colonie 4. Ou des doublons nos ponts. Bon bah non, on va aider la colonie. Hein. T'as entendu parler d'un Fable 4 Kendoza? Ah, j'en ai jamais fait, mais j'ai toujours voulu en faire. À l'occasion. L'hémorragie, ça passe jamais, quoi. Résistance, résistance à chaque fois. Pourtant, c'est un truc d'assez intéressant. Hein. Mais pas sur des ennemis lambda, parce que de toute façon, on les tue trop vite. Sur un boss, c'est bien. Bah alors, il monte pas de niveau l'interlien. Fable 2 fait partie de mes jeux préférés, le seul que je regrette sur la Xbox. C'est pas genre le jeu introuvable maintenant. Attends,
Allez, zou, interlien. C'est parfait. Allez, attaque. Ce qui peut être long, tu vois. Résistance, évidemment. Juste. Pas mal. Ça va plus s'arrêter là. Ah si, quand même. Il est beau celui-là. J'aime bien le bestiaire des Xenoblade. Bon, il est que niveau 1 l'intervient, mais c'est pas grave. Pas non plus un ennemi très costaud.
Et là on voit qu'il y a des trucs spéciaux justement quand on est niveau 3 sur l'intérieur, notamment pour l'impact instantané, l'impact. Si on est niveau 3, bah il y a chute sur tous les ennemis. Et ça c'est bien. Bon, comme d'hab, je vais pas chercher spécialement à compléter la carte. Je vois s'il y a des trucs de loin et puis dans les détails, je finirai la carte hors stream. Et s'il y a un événement, évidemment, je le laisse. C'est un peu immense quand même. Genre là, il y a ça, mais je vais peut-être pas le déclencher maintenant. Tiens, il y a un campement par là. Elle battait pas assez vite pour échapper à affreux Rodel qui voulait croquer petite moi. Faut pas battre elle comme Félix effrayé, faut créer gemme et améliorer équipement pour contrer Rodel. Tout à fait, faut se battre. Est-ce qu'on peut créer de nouvelles gemmes d'ailleurs? Non. Bon, je pourrais créer celle-ci, mais elle m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Pourtant, il y en a des biens. Hein. Genre, il y a ça qui augmente le soin. C'est quand même bien. C'est que 6%, mais le soin est tellement nul que 6% c'est déjà le bienvenu. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau plat ici? Non. Mais on va quand même le lancer parce que j'ai plus rien. Et on ira voir ce fameux menu de la colonie 9 un peu plus tard. Alors, il y a un tas de trucs qui ont été débloqués là. Je l'avais pas fait ça, lâcher de ravitaillement. Vous autres, vous savez, c'est lâcher de ravitaillement qu'on voit de temps à autre. Oui, qu'est-ce qu'ils ont? Les colonies libérées de leur cadran peuvent plus en demander, pas vrai? Non, ce ne serait pas logique. Ces ravitaillements sont fournis soit par un des châteaux, soit par des colonies alliées voisines. Même si une colonie libre en faisait la demande, il n'y aurait aucune obligation de la satisfaire. Ce qui signifie que lorsqu'on voit un lâcher de ravitaillement, on doit être près d'une colonie que l'on n'a pas encore libérée. Exact, il y a de fortes chances que l'on rencontre des ennemis dans le secteur. En effet, si l'on aperçoit un lâcher de ravitaillement, nous devons rester vigilants.
Mais il y a sûrement des trucs dont on a aussi besoin dans ces conteneurs, non? S'il y a moyen de mettre la main dessus, moi je dis que ça vaut le coup d'essayer. Même avec des ennemis autour. Je suis d'accord. Riku, mon pote, j'ai une question. Riku, écoute, mais promets pas réponse. Est-ce que Noah et moi, on pourrait confectionner des gemmes un jour? Riku comprend pas comment Lance ose dire tel profane à pont et garder masque d'innocence pareil. Réponse est évidemment absolument pas. Si essaie de confectionner gemmes sans professionnel comme Riku, opération vouée à échec. Rien d'autre que gâchis de précieuses gemmes brutes, très mauvaise durabilité. Mais c'est pas certain à 100% qu'on se planterait, si? Si on bosse main dans la main, Noah et moi, on pourrait sans doute arriver à pondre un truc potable. Lance croit ça parce que rôle à Lance est extrêmement simple. Mais rôle joué par Riku demande grande technique de spécialiste. A pris 10 ans à maîtriser. Ok, j'ai capté, je réessayerai la prochaine fois. Lance écoute vraiment pas quand Riku parle. Pénurie, radipaïté. J'ai entendu dire qu'un opon de la colonie 4, s'était enfui. Celui de l'équipe d'entretien et de développement, c'est bien cela? Je me demande pourquoi. Peut-être qu'il en avait marre de son boulot, ça arrive. Qu'il soit satisfait ou non de son travail, personne ne semble savoir où est passé ce opon. C'est inquiétant. J'espère qu'il n'est pas en danger. Laissez-moi deviner, c'est là qu'on va voir l'équipe d'entretien et de développement pour en savoir plus. Bonne idée, Dinzel est le chef de cette équipe. Commençons par lui demander s'il sait quelque chose. Bon, ça c'est de la quête annexe de la vraie, hein. On verra. Allez, il en reste que 3. Il paraît que les troupes d'Agnus et de Kivs se sont agrandies. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on les voit partout en ce moment. Si on s'est fait remarquer, il est possible qu'ils aient relevé le niveau d'alerte. Et détruire les cadrans vitaux n'est pas une activité particulièrement discrète entre nous. Effectivement, je doute que les consuls ignorent de telles perturbations. Nous devrions nous attendre à une vigilance renforcée de leur part, ainsi qu'à des renforts. Ouais, logique. Mais libérer ces colonies de leurs cadrans ne peut pas être entièrement mauvais. Bien sûr que non, cela nous a permis de coopérer avec leurs résidents, entre autres. Il y a des avantages, on ne peut pas le nier. En gros, on continue à surenchérir et nos potes font pareil de leur côté. Exactement, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Dinzel Washington, ouais. Pas mal, Marvel. Les radis pailletés poussent vraiment partout dans la région de Fornis. Ouais, je te jure, j'ai cru que c'était un genre de mauvaise herbe. Méchant pour radis, ça. Radis pailletés délicieux et pleins apports nutritionnels. Ce malentendu est compréhensible. C'est vrai qu'ils se répandent rapidement, surtout quand la saison est arrivée. Ça me rappelle des souvenirs, et pas des bons. Il me semble que tu utilises beaucoup de radis pailletés dans ta cuisine. Je me trompe, ma nana? Vérité, radis pailletés très joli aussi. Ingrédient plein avantage. Peau est dure, alors faut éplucher. Aussi enlever bout ou filandreux. Faut faire bouillir seulement quelques heures et écumer couche cracra. Ensuite, et super miam miam. Ça fait beaucoup d'efforts pour des radis. On veut manger radis mais sont durs à manger. Dilemme ultime. Bah ça me dérange pas. Je suis un type simple. Tant que c'est bon, je dévore tout. Alors Lance responsable épluchage. Si pas d'efforts pour manger, joie de manger diminue. Hein? Quoi? On peut plus faire de vannes ou quoi? T'as manqué l'occasion de fermer ta gueule, toi. J'ai entendu dire que la colonie 9 avait des problèmes d'approvisionnement. Ce n'est rien de nouveau. Mais... nous ne manquions jamais à ce point de vivres et de ressources avant que la colonie ne soit rétrogradée. Alors aux pénuries s'ajoute une certaine frustration. Est-ce qu'on peut vous aider? Ça serait super. C'est pas un problème qui va se régler en claquant des doigts. Le plus urgent est de pallier le manque de nourriture, je suppose. Bidou vide et bidou triste. Et sagesse nos pones. Mais il faudra du temps pour que les champs produisent des récoltes. Pas faux.
Faudrait trouver un moyen de les dépanner en attendant que ce projet de champ de Zéon donne des résultats. Ami Pont cherche compliqué, comme toujours. Si t'as une solution miracle, on serait ravis de l'entendre. Mais il y a des bestioles de partout, ils ont qu'à bouffer de la viande. Mais tout bête, Ami Pont aurait dû penser. Et principe de récupérer à Pont. C'est-à-dire... Objets utiles sans propriétaire sont tout pleins sur champ bataille. Il a pas tort. Quand on pouvait plus revenir à la colonie, c'est là qu'on s'est servi. Pas trop le choix quand c'est une question de survie. Je suis d'accord. Sur un vieux champ de bataille, on devrait aussi pouvoir trouver d'autres ressources que de la nourriture. On pourrait explorer l'ancien champ de bataille de la plaine de la Calamité, pas loin de la colonie 9. Il n'y a pas que là. L'endroit où nous avons rencontré Guernica pourrait aussi faire l'affaire. C'est vrai. Dès qu'on en aura assez, on donnera le tout au gars de l'intendance. Camilla pourra se charger de la distribution. Bon, alors on fait ça. Je peux vous aider? Ma nana aussi donne coup de patte. Allez, tout ça, c'est fait. Évidemment, les quêtes annexes, hein, on verra plus tard. Hein. T'es vegan, Nanatoru? Après, eux, ils ont pas tellement le choix. Hein. Vegan, pas vegan. S'ils ont envie de survivre, faut bouffer à un moment donné. Hein. C'est un choix. Guernica, le plus beau tableau de Picasso? Je suis pas du tout calé en art, je connais pas. Non, j'ai tenté, je suis pas bien au bout de 2 jours sans viande. Tu es faible, Nanatoru. Ça va, il y a plein de trucs pour remplacer la viande. Hein. Putain, mais j'ai cru que c'était moi qui ai chargé, mais en fait c'était l'arbre. Toujours l'entente. Les jetons, j'en ai plein, donc je m'en fiche en fait. Ça c'est fait. J'en suis où de mes classes là? Ça avance tout doucement. Hein. Mais sûrement. Tiens, ils sont moins hauts que les autres. Ceux-là, je crois qu'ils étaient 50 dans le désert.
Les Ramphas, c'est les Urodels qui ressemblent plus à d'autres civilisations que de vulgaires mobs, c'est vrai. Ça c'est pas mal pour les PC. Non non non, pas dans la flotte. Ça a failli hein. Normalement, ceux-là, ils grattent ou je sais pas quoi, ils trouvent des objets. Ils trouvent des objets, là. J'aimerais bien un jour voir un village Ramphas ou Urodel, genre un village caché. Ce serait sympa. C'est vrai qu'ils font pas vraiment partie de la faune, hein, c'est plus une civilisation comme tu dis. C'est pas des bêtes. Déjà parce qu'ils ont des armes. Tout bêtement. Il y a une bagarre. Attends, je sais plus où se trouve la quête principale. Comment je la rends active? Je peux pas, ça l'est déjà, je pense. Puis on pourrait les exterminer, ce serait cool. Ça le fout. Ah si, c'est bon, je la vois. Je la vois carrément. Hé, hey, il a fait tomber un objet, lui. Merci. Du coup, je le laisse en vie. Comme il a été bon avec moi. Agnus ou Kivs? Je veux les doublons. C'est quand même abusé de devoir choisir entre Agnus et Kivs, sachant qu'on a une équipe composée des deux camps à la base.
J'arrive pas à voir à quel point c'est loin. Ah bah c'est plus très loin là. Sale mot, le flic de Shanghai. Pardon. J'espère que sur le chapitre 4, il y aura un gap au niveau des ennemis. Salmo Hayek. Hop là. Est-ce que je vais pouvoir monter là? Je peux faire des plongeons. C'est merveilleux. Allez, on va à l'objectif. Le point d'interrogation qui déclenche une quête, il est au-dessus, je pense. Putain, mais ils font étrangement mal ceux-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a grossé le machin là?
Regardez par là. En montant le camp ici, on aura une vue dégagée sur les alentours, non? Et puis il serait temps de faire une pause. Rico aussi veut pause. Sans plus papate. Alors du miam miam aussi. Ça me convient. L'endroit m'a l'air adapté. Faut-il qu'on se relaie pour monter la garde? Je veux bien commencer. Je te tiens compagnie, Mimi. Très bien. Alors on s'arrête là. ずるいって？だってそうでしょ。インタリンクしても主導権はあっちだよ。私見てるだけだもん。ああ、そういうずるいね。ミオちゃんだって思わない？ずるいとは思わないけど。ああ、そこの動きは右じゃないとは思うかな。でしょでしょ。主導権握りたいの？ もっと頑張りたいの。みんなの役に立ちたい。<笑>セナらしいね。大丈夫じゃないかな。守りたい思いだっけ？ノアが言ってたの？うん。それがある限り順番回ってくるよ。本当？きっと大丈夫。